Vogel. Pardon. Vogel. Couchez, soumets-toi. Pardon, psychodélique. Soumets-toi. Bonsoir. Nous avons taisez-vous. Je suis désolé silence. De vous couper. Non. Si. Je suis désolé de vous couper. C'est depuis c'est que juste droite. Bah c'est ça. Je suis en stream à côté de mon côté. Je me dis ah tiens, je vais passer. Bonsoir. Bonsoir la Nouvelle-Serbie. Bonsoir. Voilà. Ah bah tiens, d'un coup il est gentil. J'ai bonjour. Faut être poli. L'œil de Belgrade. Non, c'est ça. Parce qu'on a fait une vidéo justement sur les contraceptions et tout ça. Et je voyais justement que vous parliez de tout ça. Est-ce que t'as vu la vidéo du mec qui se rentrait les boules? Ah oui, 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 j'ai vu ça. Oui, non, mais ah, non, il faut arrêter les mecs. Hein. J'ai vu aussi celui qui disait qu'il était noir. T'as vu celui-là aussi? Non, mais. Celui qui déclare qu'il est noir. Je vais le faire juste après, là. Mais les, ouais, les boules qui se remontaient, en gros, c'est un mec. Il dit, ouais, faut se remonter les coucougnettes, t'as vu? Il faut porter une sorte de couche, voilà, pour le slip, ça, parce ça que voilà, c'est chelou. Et t'as la bite toujours donc, à l'air. Et en gros, tu prends tes boules et tu deviens stérile. Et il indique que ce slip, il peut aussi le porter à la piscine. Ouais. Il peut aussi le porter quand il fait l'amour. Mmh. Mais à un moment dans la vidéo, pour si tu l'as pas vu, il dit qu'il organise des ateliers couture pour que d'autres personnes le font de leur côté, en fait. Parce que couture. Tu peux le coudre, en fait. Un atelier couture pour faire le slip qui permet de te rentrer les boules. Okay. Il fait des ateliers couture. Et pour moi, franchement, il a battu Nota Bene. Il pourrait se coudre les boules, mais d'accord, mais c'est n'importe quoi. Là, on est sur vraiment. Non, mais là, c'est vraiment Combini. Là, tous les journalistes un peu de gauche, ultra woke et tout, qui sont complètement débiles. Et bientôt, tu vas en avoir un qui va te dire : je me monte les boules, je suis stérile et je suis noir alors que je suis blanc. Parce que je l'ai décidé. Et là, avec un TDI à la con, autodiagnostiqué et microdosé. On est baisé. Tu vois, je suis un peu progressiste parce que j'aimerais bien aussi que les hommes prennent un peu de contraception parce que c'est un peu casse-couille que les femmes doivent payer tout ça à toute leur vie. Mais c'est la capote, bah, tu vois, c'est quoi ma femme... à leur charge. Et ça, c'est pas normal. Vas-y, on est d'accord. Ma femme, tu vois, elle m'a dit tu vois, je prends la pilule, mais du coup, ça me fait grossir un peu. Arrêter la pilule. Elle me dit tu pourrais te vasectomiser. Je fais non, mais continue à grossir. Je suis très bien comme ça. Voilà. Alors qu'effectivement, on a des moyens de contraception déjà d'une, monsieur Pollux. Mais par contre, le visage. Il y a aussi moyen de. Voilà. Aussi moyen de ne pas forcément voilà, on n'est pas tous obligés de se coudre, non, se couper les couilles, quoi. Non, mais on parle pas de vasectomie mais il y a des règles régaliennes imperturbables dans l'humanité. Les couilles, c'est sacré, c'est éternel. Ça touche à ta virilité et à ton ego. C'est toute une vie, c'est important. Mais tu sais qu'une femme qui prend la pilule, c'est un peu pareil. C'est son ego qui est touché. Je veux dire, elle ne peut pas enfanter pendant un certain temps. C'est dur quand même à accepter, non? Alors attends, il y a Miss Pauline qui me dit le roman de couilles toulousain est un vrai moyen contraceptif, mais c'est un slip chauffant. Mais c'est pas la même chose là. Là, on parle pas de chauffant. Là, on parle vraiment de remonter tes glandes dans les petites fentes qu'on a. Voilà, dans le scrotum. Et en gros, le problème, c'est que. Mais ta gueule, Pollux! Oh! C'est incroyable! Et du coup, quand tu mets ça, il y a aussi un truc où tu peux mettre tes burnes dans un truc qui vibre et ça chauffe. Et ça, il paraît que c'est efficace, ça dure un mois. Donc voilà. Donc au pire, vous pourrez tremper vos boules dans un truc. Il dit que son slip, il doit le porter 15 heures par jour. Oui. T'imagines, non mais une pilule, c'est t'avaler une pilule. Là, t'es obligé de torturer tes couilles 15 heures par jour. Il existe des pilules, plein de trucs. Après, toi, tu peux te vasectomiser comme tu veux, Pollux. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Il faut arrêter de couper la parole, surtout. C'est pas possible. parce que c'est inaudible après. Je vous fais plein de gros bisous là-dessus. Je retourne sur mes lives. Allez, et bonne soirée à toi. Et bonne vasectomie. On en parle plus en détail si tu veux. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Demain, il y a Canard Réfractaire. Si tu veux faire un coucou, on va parler de la guerre, financement et tout. Il va faire un état des lieux de combien il a touché, enfin voilà. Donc, ça va être, et bah, tu sais qu'il y a un drama qui arrive sur lui, un petit drama. Ah, attends, mais vas-y, t'as encore sorti. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la vidéo n'est pas encore sortie. Il y a Terre de France qui a préparé une vidéo sur lui. Terre de France, qu'est-ce que je raconte? Il y a un mec chasseur là qui s'appelle Terre quelque chose. C'est Richard sur Terre. Oui, Richard sur Terre, merci. Okay. Ouais, c'est Richard sur Terre. Il a fait une vidéo pour le débunker sur son truc anti-chasse. Ah, ça va être pas mal ça. Il m'a montré la vidéo en avant-première. Et elle est assez cool. Et il va la sortir normalement, je crois, la semaine prochaine ou un truc comme ça. Bon bah canard, prépare-toi, ça va secouer. Il va perdre des plumes. Ça va secouer un peu. Il va perdre des plumes. Bah en tous les cas, bonne soirée à toute la Nouvelle-Serbie. Profitez bien. Et puis bonne création de vidéo, hein, la machine. Est ouais, ça marche. Allez. Et pour canard, demain, c'est tout son drama avec les débunkers de fake news, là, soi-disant qu'il l'avait débunké, puis il les avait redébunkés, puis
Donc ça va être intéressant. Non, on va parler de ça, on va parler de la guerre, on va parler de plein de choses, de ses financements aussi, ce qui va montrer un peu les thunes, et il va tacler quelques youtubeurs politiques, semble-t-il. Donc ouais, ouais, demain, avec notre chat. Et t'as entendu Pantouf qui s'est fait tacler parce qu'il est venu chez moi, et du coup, ah, Dany et Raz, ils ont dit ouais, les gauchistes qui vont chez. Genre il s'est fait tacler pour aller chez toi, mais pas fort parce qu'il est venu chez moi. Et le pauvre, bah parce qu'il est venu discuter avec toi et moi. Et le pauvre, bah il s'est fait engueuler, donc j'ai de la peine. Voilà. Oh, franchement, il se rendra compte au bout d'un moment qu'il est beaucoup plus confortable avec nous qu'avec eux. Ah bah ça, c'est. Ah bah en tout cas, il a dit, je trouve que. On est moins dans le jugement. Il a dit, je trouve que Dany a un peu d'autorité, qui est un peu bizarre. Il a voulu faire, voilà, moi je sais débattre quand et tout. Il alors rendra... que... En fait, il se rendra triste. Compte qu'avec nous, il est pas obligé de rentrer ses boules. C'est ça. Non, j'ai pas honte d'inviter Pantoufle. Je suis très fier d'inviter Pantoufle. En ah, Pantoufle, c'est une crème. Hein. Voilà. Ouais, c'est une guest star. Hein. Pour c'est moi, il rentre quand il veut. Exactement. Enfin, sur le stream, ouais. Non, mais après, tu fais ce que tu veux. Hein, au restaurant. Bon, allez, bisous. Bonne soirée à toi. Donc voilà, c'était la petite minute de psychodélie.